Bon alors explique-nous où on est là. On est dans la vallée de Sceaux, près du pic, et on va faire une petite boucle qui va nous faire passer sur des crêtes autour de là, où on va avoir la vue sur le pic tout le long. Je pense que ça va être super joli. Bon, c'est un peu dur là, on a pris quelques mètres de dénivelé en très peu de temps. En plus je pense qu'on s'est planté de chemin parce qu'on devait traverser le cours d'eau, on l'a pas fait, donc on va voir si on peut traverser un peu plus haut. Donc là on est ici et là le sentier principal il est là, donc on a fait un espèce de détour qui nous a emmené sur les hauteurs. Par contre on va réussir à le récupérer par ici. Et après, du coup, si j'arrive à dézoomer, il nous reste tout ça pour aller jusqu'aux crêtes et revenir par le lac de Biosartigues. Depuis quelques temps maintenant, on a la chance de travailler avec quelques marques outdoor, de trekking, de randonnée, etc. Et donc, l'objectif pour les marques, c'est qu'elles nous envoient des produits, on puisse les tester dans des conditions de montagne, et qu'on puisse, auprès de vous, auprès de la communauté, parler un petit peu de notre ressenti sur ces... Je reviens de mon souffle, sur ces objets. Les derniers mètres avant les crêtes, vous allez découvrir en même temps que nous le paysage qui se cache derrière. Et waouh! Ah, c'est dingue! C'est trop beau! J'essaie de voir s'il y a des pics que je reconnais. Pic de Sceaux, à Frey ici, les pics. Ici, en face. C'est les Varnies ? Non, c'est le cirque de Gascogne, c'est les pics d'Ansader là-bas. Oh, c'est incroyable. C'est trop trop beau. Bon, maintenant, du coup, il va falloir marcher sur les crêtes pendant à peu près une heure, histoire d'atteindre le sommet qui est là-bas. Je sais pas si on voit très bien. Ce qui va nous faire une très jolie promenade encore. On va essayer de sortir le drone sur les crêtes, je pense que ça va être pas mal. Allez, on te suit. Quand on est sur des crêtes comme ça, il faut faire un peu gaffe. Là, le temps est optimal, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de neige, pas de pluie, ça glisse pas, mais il faut quand même rester hyper vigilant parce que c'est quand même très vertigineux, vous voyez. Donc là on est sur la partie un peu délicate de la randonnée, c'est vraiment des crêtes très, très pentues avec des rochers qui tranchants. Donc on va poser l'appareil photo, on va bien se concentrer, normalement d'ici une vingtaine de minutes on est au pic et là on va reprendre pour faire quelques photos et vidéos. Qui est magnifique et là je chuchote parce qu'il y a deux vautours qui sont passés au-dessus de nous. On aimerait bien pouvoir sortir le téléobjectif et les prendre en photo. Le problème c'est que vu qu'ils nous ont vus et qu'on était en train de marcher, je suis pas sûr qu'ils repassent.
On va aller voir ça de plus près. Tu penses qu'ils vont refaire un passage ? T'es dégoûté parce qu'il y a un nouveau... Il y a un vautour énorme alors qu'on vient juste de ranger le téléobjectif. C'est tout le temps à ce moment-là que ça arrive, hein, de toute façon. Oh, oui, c'est normal. Mais bon, on en a vu des troupeaux. Je pense pas qu'on dise des troupeaux de vautours, mais... Bon, là, il semblerait qu'on soit sur des terres volcaniques très anciennes. En tout cas, le pic d'Ossó était un volcan, donc il y a très 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 longtemps. Alors, on parle de 278 millions d'années. C'était incroyable ce sommet là, cette balade sur les crêtes. On est tombé sur plein de vautours, qu'il a fallu se cacher, sortir le téléobjectif, essayer de faire les bons réglages. On n'est pas habitué de la photo animalière. Mais en tout cas, on est content d'avoir pu expérimenter un peu ça. Bon, là on descend complètement en hors-piste, il n'y a plus de sentier, il n'y a plus rien, enfin on l'a perdu du coup. On va retrouver le sentier, mais par contre je suis pas sûr qu'on arrive au parking avant la nuit. Alors, des pronostics ? Avant la nuit ? Ouais. Si, je pense que ça, c'est faisable, mais on sera bien dans l'ombre en tout cas. Ok, à voir. Bah, finalement, c'était vraiment génial. Elle était super cette rando. On a déjà hâte de retourner en montagne. Maintenant qu'il y a un petit peu de neige sur les sommets, c'est encore plus beau. Et puis avec les couleurs de l'automne, il n'y a rien à faire, c'est super beau quoi. Mais tu vois qu'on est rentré en frontal. Et ouais, t'avais raison, on était vraiment très loin à ce moment où on s'est posé la question en fait. Mais bon, je préfère être optimiste et me dire qu'on est bientôt arrivé.